Alors cette fois, je te montre le moyen le plus facile et le plus rapide d'obtenir beaucoup plus de likes, de vues et même de followers sur Instagram. Alors si t'es prêt, c'est parti. Ok, donc nous allons utiliser ici l'application Actopus que vous avez là à l'écran. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, on passe tout ceci, Ready to Popularity. On passe. On accepte les termes service et c'est OK. Voilà, donc on va essayer de se loguer à l'application, de s'y connecter en appuyant sur le bouton Sign In. Voilà, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement entrer les identifiants de votre compte Instagram et vous y connecter. Voilà, donc moi, j'ai enregistré les identifiants de mon compte. Ok, mot de passe, c'est fait et on appuie se connecter. Alors une fois que c'est fait, on va se diriger vers le bouton Log In Next. Ok. Voilà. Donc là, vous avez likes and views. En fait, c'est un petit guide, un mini tutoriel qui te montre tout ce que tu pourras faire avec l'application. Mais bon, on va passer tout ça. Alors, une fois sur ton compte, tu pourras voir déjà tous tes posts Instagram, tous tes posts, ta photo de profil, ton nom d'utilisateur et en haut à droite, ton nombre de cristaux. Voilà, c'est avec les cristaux que tu pourras commander des likes, des abonnés ou des vues. Alors, ce qui nous importe pour le moment, c'est comment gagner des cristaux pour enfin avoir ces likes. Donc, on va cliquer sur le gros cercle rose là. Donc ici, il y aura trois boutons. Un bouton pour s'abonner, un autre pour la notification et un autre. En fait, tous ces boutons vous permettront de gagner plus rapidement des cristaux. Voilà. Et on a enfin le gros bouton central sur lequel il faut appuyer pour commencer à gagner. On va donc cocher les trois boutons. Celui-ci, on clique 5 fois. Le deuxième, le troisième, puis le gros cristal du milieu. Avec ce cristal, vous pourrez gagner des likes, gagner des cristaux en fait de façon indéfinie. Tant que vous avez une connexion internet, vous le laissez travailler et vous gagnez des cristaux que vous pouvez ensuite convertir. Voilà. Donc, une fois que j'ai lancé, je vais me rendre sur l'interface principale. Et on va faire un test. On va choisir une des photos et lui envoyer des likes. On va en choisir la première photo, celle d'une Titi. Et on va lui envoyer une vingtaine de likes. Mais avant, il faudrait que vous constatiez par vous-même que la photo est bel et bien à 302 likes, excusez-moi. Mais avant, vous devez constater quelque chose. J'ai beaucoup d'abonnements, énormément. J'ai 7203 abonnements. Pourquoi? Eh bien, c'est juste parce que lorsque vous laissez la mineuse travailler, ce qui va se passer, c'est que votre compte va automatiquement en arrière-plan liker, voir et s'abonner à d'autres chaînes Instagram. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de vous inscrire, vous enregistrer sur la plateforme Actopus avec un compte que vous ne comptez pas utiliser. Voilà, ne le faites pas avec votre compte principal, sinon vous aurez beaucoup, beaucoup trop d'abonnements, beaucoup trop de likes, bref, des choses que vous n'aviez même pas prévues. En plus de ça, ce qu'il faut, c'est vérifier que le compte du destinataire de likes est public. Ici, compte privé désactivé. Donc, le compte là est public. On va donc se diriger vers la photo de Titi. Constatez qu'elle a en effet 302 likes. Retournez dans l'application. Et lui en ajouter une vingtaine. 20 likes pour 80 cristaux. On appuie et là on dit que la commande a été créée. Pour vérifier donc les commandes, vous allez juste à droite là et vous allez vérifier. Pour le moment, on a envoyé 0 likes sur 20. On va actualiser et là on en a 13. Donc on attend que les 20 arrivent, puis on va tester sur Instagram. On actualise encore. Voilà. Pendant ce temps, je tiens à vous préciser que si
Si lorsque vous vous inscrivez, on vous demande d'entrer un code référal, un code de parrainage, eh bien, je vous prierai d'entrer celui-ci, celui que vous voyez là à l'écran. Voilà, ça me permettra de gagner un petit plus pendant que vous êtes vous-même en train de gagner. Donc, vous ne perdrez rien et c'est l'occasion de me dire merci pour vous avoir fait découvrir cette astuce. Voilà, donc ce code de parrainage, il sera affiché à l'écran et il sera en description de la vidéo. Voilà, on retourne donc dans les commandes, on actualise, toujours 13 commandes. Bon, c'est pas grave. On va se diriger directement sur Instagram pour vérifier si les 13 likes ont eux été déjà envoyés. Donc là, on est sur Instagram qui n'avait pas encore été rechargé. On a 302 likes. On actualise. Et là, vous voyez que les 321 likes sont même là. En fait, les 20 likes ont été envoyés le temps qu'on change d'application. Vous voyez donc l'efficacité, la vitesse de cette application. Je vous montais pas. Elle est extrêmement rapide. Voilà. Donc c'est... C'est tout ce que vous avez à faire. Hein. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous laissez la mineuse travailler les cristaux pendant que vous faites autre chose. Et vous retirez vos likes. Voilà. Sur la page principale, je vais actualiser. Et là, on constate bien que la photo a bel et bien 321 likes ici. Et que les commandes sont presque terminées. Parce que là, on a 18 likes. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est envoyer des likes à une autre personne, à un autre compte Instagram en fait. Et c'est ce qui est extrêmement cool, extrêmement pratique sur cette application, c'est que les likes, c'est pas seulement pour toi. Tu peux aussi les envoyer à des amis, à de la famille, bref, à d'autres personnes quoi. C'est ce que j'ai fait déjà sur mon deuxième compte. Où j'ai envoyé 1515 likes sur cette photo. Ah, c'était une photo débile, c'était juste un prank qu'on a fait un camarade. Et bon, 1500 likes, vous voyez, pour un compte qui n'avait même pas encore 20 abonnés, qui n'avait même pas de taxes, qu'on pouvait pas remarquer, 1500 likes, c'est extraordinaire, c'est énorme. Donc vous pouvez travailler sur un de vos comptes et envoyer tous les likes, tous les abonnements et toutes les vues sur un autre compte. C'est ce qui est vraiment cool sur cette application. Donc, c'est clairement tout. En fait, c'est presque tout parce que je veux aussi vous montrer cette particularité qui est d'envoyer des cristaux à des personnes. Voilà, donc vous entrez sans pseudonyme, vous envoyez les crédits et la personne prend 10%. Donc, c'est pour introduire le fait que j'organise un jeu concours plutôt simple. Lorsque la vidéo aura atteint les 1000 vues et les 50 likes, je sélectionnerai les 3 premiers commentaires et j'enverrai 2000 cristaux à chacun. 2000 cristaux, c'est l'équivalent de 500 likes sur le compte. 500 likes sur le compte, voilà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo et de la commenter. C'est tout. Je verrai les commentaires, les 3 premiers commentaires, lorsque la vidéo aura atteint les 1000 vues et les 50 likes. Puis, je leur enverrai les crédits sur le compte Instagram. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut marquer les 10 comptes Instagram en commentaire, bien sûr. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Si tu apprécies la vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Je ne vais pas le dire chaque jour. Un like, ça te prend 2 secondes. Et si tu veux plus de tutoriels dans ce domaine, je veux dire le domaine de l'informatique en général, le domaine d'amélioration de sa vie sur Internet, alors tu peux t'abonner et activer la cloche de notification, c'est hyper important.